Dans cette vidéo, nous allons voir comment localiser et situer un espace. Tu en auras besoin en géographie, notamment lors des études de cas, ou dans l'introduction d'un développement construit. Alors tout d'abord, localiser. C'est assez simple, c'est répondre à la question « où ?». Mais il faudra adapter sa réponse selon l'échelle de l'espace étudié. Si j'étudie un continent ou un pays, je pourrais préciser l'hémisphère, hémisphère nord ou hémisphère sud. Si l'espace étudié est un pays, je pourrais préciser le continent, Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie. Si mon exemple est une ville, je préciserai à quel pays elle appartient. Et dans quelle région et département elle se situe. Donc si je reprends par exemple pour localiser un pays, la France est un pays de l'hémisphère nord qui fait partie du continent européen. Et à une plus grande échelle, si je dois localiser une ville, je pourrais dire que Tours est une ville française qui se trouve en région Centre-Val de Loire, dans le département d'Indre-et-Loire. Maintenant, nous allons voir comment situer un espace. Pour situer, il faut replacer dans un contexte en répondant aux questions où et par rapport à quoi. Il faut mettre cet espace en relation avec un autre espace. Pour cela, je peux utiliser les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, des repères naturels, comme les massifs montagneux, une rivière, un fleuve ou un océan, une ou des voies de communication, comme des routes, des autoroutes ou une voie ferrée, ou encore un autre espace, un autre pays, une autre région, etc. Je vais faire attention à sélectionner des informations qui me serviront et qui seront pertinentes dans mon étude de cas. Par exemple, pour la ville de Menton, qui est une ville touristique d'un littoral, je vais préciser au bord de quelle mer elle se situe et quelle voie de communication permet aux touristes de venir. Ce qui peut donner comme phrase, Menton se situe dans le sud-est de la France, au bord de la mer Méditerranée, à proximité de l'autoroute A8. Donc, pour résumer, localiser, c'est répondre à la question « où ?» et situer, c'est répondre à la question « où ?» mais par rapport à quoi ?